bibliothèque. Et oui, aujourd'hui, on va parler d'un autre livre, parce que certains m'ont dit, Julie, tu parles toujours de romance, mais nous, on veut de l'enquête, on veut des frissons, on veut du suspense. J'ai toujours ce qu'il vous faut. Alors, n'oubliez pas de vous abonner pour avoir rapidement toutes mes vidéos. Donc, aujourd'hui, on va parler de ce roman. Il s'agit d'Avis de recherche d'Alistair Brown. Avis de recherche d'Alistair Brown. Et oui, Jessica, le personnage principal, va décider de tout quitter, de fuguer. Parce qu'elle se sent mal dans sa peau, mal au sein de sa famille, vous allez le découvrir, et elle décide donc de tout abandonner. Malgré le fait que des policiers la cherchent, malgré le fait que sa meilleure amie aussi, qui va jouer un grand rôle, est à sa recherche, finalement, il y a encore quelqu'un. Il y a une personne comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. Au final, à travers le fait qu'elle soit angoissée, qu'elle soit apeurée, Jessica découvrira qu'elle peut compter sur un ami fidèle, celui qui ne nous abandonne jamais. Et oui, c'est un roman, vraiment, le suspense est à son comble du début jusqu'à la fin. Et vous allez le découvrir par mon passage préféré. D'un geste rapide, il la saisit par les cheveux. Elle se tordait de douleur. Écoute, petite idiote, je m'en suis toujours tirée jusqu'ici et ça continuera. Mets-toi ça dans la tête. Tu fais ce que je te dis ou tu t'en repentiras. Après l'avoir secouée sauvagement une dernière fois, il relâcha son emprise et Jessica glissa. Oh, que s'est-il passé? Mais où est Jessica? Et qui est cette personne finalement qui veut lui faire tant de mal? C'est à vous de le découvrir. Alors, à vos bouquets!